nom du PMSD, dont le symbole est le coq. Laisse-moi souhaiter toute la bienvenue pour nos premières conférences de presse dans l'année du coq de feu. Donc, laisse-moi aussi, au besoin d'y aller très sincèrement, féliciter tout le monde lauréat qui finit brillamment passer cet examen, mais pas juste lauréat, tout le monde enfants qui finit pas ce tchétchési. Et là, moi, bien souligner que, d'après mes connaissances, c'est la première fois qu'un enfant cité Rochebois, une mine lauréat. Moi, je suis content particulièrement, féliciter parce que je connais dans ce milieu-là, c'est très dur de PAC. Bon sujet qui nous prend aujourd'hui, 1er février, célébration, situation politique en général et bon agissement du président Trump. Donc, au niveau du 1er février, c'est une journée hautement symbolique pour tout bon Mauricien, mais surtout, bien sûr, pour tout bon descendant esclave. C'est une journée qui est célébrée depuis des années. Et chaque année, nous trouvons une certaine ferveur populaire, une certaine ambiance, une certaine participation de la population. Sauf cette année-ci. Cette année-ci, nous trouvons une maigre assistance et pas de ferveur. Je suis là-bas, monsieur, nous trouvons la même chose. Pas de ferveur populaire, pas d'ambiance. Et donc, pour moi, c'est la seconde fois depuis que le nouveau gouvernement en place qui est dans une manifestation publique, un événement public. Seconde fois, un événement public. Et toutes les fois, que ce soit l'intronisation de Pravin Jagnat, où il y a à peu près 200 personnes. Et second, c'est bien sûr célébration 1er février. Et toutes les fois, la foule partie présente. Et pour moi, c'est un rejet, un signe de rejet du présent gouvernement. Mais surtout, mon besoin dénonce un affront qu'il me fait et qu'il me trouve inacceptable au président du village du Mône. Parce que ça peut faire dans les Mônes. Et d'année en année, nous félicite, nous invite président le Mône, qui appelle, sa collègue appelle M. Alain Ramalingam, invite-le pour participer. Et cette année-ci, zéro l'invitation. Et ça, monsieur-là, finit bien en colère. Et mon calculé que c'est un affront qui me fait à un villageois du monde. Maintenant, j'ai besoin de dire, c'est l'occasion, surtout que ministre Dan Babou là même, j'ai besoin de dire que c'est une occasion pour moi aussi. Félicite Dan Babou pour l'énorme travail monstre, j'ai besoin de dire, qu'il vient de faire en tant que ministre des Arts et de la Culture, surtout concernant commémoration de l'esclavage. J'ai besoin d'y aller. Et d'ailleurs, quand on écoute ministre Rupen ce discours, ce discours, c'est net 100% réalisation d'Anne Babou. Pas de problème, c'est la vie, c'est comme ça, mais nous devons quand même signaler. En particulier, ouverture, l'accès, montagne le monde, 8 bonnes années, le monde, c'est une finie patrimoine mondial, 8 bonnes années, personne n'a pas l'accès, sauf si Michel-là donne permission. Et maintenant, bien sûr, avec sa l'entrée qu'il fait là, il a aménagé en temps record très rapidement jusqu'à là-haut, tout le monde capable de monter en toute sécurité. Ça, c'est une chose. Seconde affaire, le ministre Barbeau finit aussi qu'il y a 5 ans pour la terre pour faire un ségatorium avec tout ce bâtiment à côté dans le village de Mône et en plus 2 arpents dans l'entrée même de la montagne. Et ça, nous fait faire là. Tu veux faire un village des anciens esclaves. Tu ne finis comment ce travail-là, malheureusement, bien sûr, nous avons besoin de démissionner. Et donc, ça, au niveau aménagement, le monde et l'ouverture de l'accès, peinant aucun autre ministre ne réussit à faire ça. Mais je suis content cause aussi le musée de l'esclavage. Nous avons beaucoup causé là. Celle du monde qui ne prend action, c'est nous-mêmes. Et là, moi, je donne un bon coup de main à ministre Dan Babou, ancien ministre Dan Babou. Parce que nous connaissons qui identifié l'hôpital militaire, moi-même je fais ça. Mais quand nous avons l'hôpital militaire, c'est clair que c'est beaucoup de 200, 300 millions de roupies pour nous capables d'aménager à l'hôpital militaire. Et c'est pour ça fait là donc que nous changeons, nous prenons un bâtiment à côté à la cigarette. Donc quand nous rentrons un côté, on gagne à la cigarette, l'autre côté, on gagne
musée de l'esclavage. C'est un bâtiment qui n'a pas beaucoup de cher pour rénover, mais il coûte 52 millions roupies. 52 millions roupies. Et ça, c'est même quand nous démissionnons là, nous sommes signés pour l'achat de ce bâtiment-là qui appartenait à Albion Docks en échange d'un terrain dans le port. Nous sommes signés ça. C'est une finie évaluée, tout pas gouvernement évaluée. Tous les deux terrains avec bâtiments. Et là, je t'en dire que tout projet finit arrêté. Et moi, j'ai envie de dénoncer ça parce que je trouve ça regrettable. Parce que si nous pouvons réaliser l'hôpital militaire, ça prend. Ça veut dire que le projet musée d'esclavage pour retarder minimum 10 bonnes années. C'est un signe, d'après moi, qu'un MSM pas voulu faire, bien c'est pas sa priorité, faire musée d'esclavage. Parce que c'est sa priorité, le bâtiment est déjà là, il est adapté pour ça. Il finit, faire tout, toute négociation, toute affaire, n'est que dans le passé, faire une petite rénovation et musée d'esclavage là, il est capable ouvert. Je vous signale aussi, qui, pendant l'année écoulée, nous avons fait une affaire qui est importante, c'est une conférence aux contributions d'un esclave dans le développement économique Maurice, parce qu'il y a un préjugé sur un esclave, et dans ce préjugé-là, qui ont dit qu'il prend un poids pour la société, il tient un poids pour le pays. Tout à fait le contraire, parce que tout bâtiment qui était mauricien construit avant 1835, fin construit justement par un esclave. Je vais bien finir par dire que nous faisons un festival international créole justement pour redonner la fierté à la culture créole. En particulier, nous faisons une African Night qui tient un grand succès quand le monde recommence à habiller dans l'habillement africain. Mais nous ne pas oublier le côté économique parce que la stratégie africaine, c'est le PMSD. Pendant l'autre du monde qui fait la stratégie africaine. D'ailleurs, trois fois, je suis nommé ministre des Finances de l'année en Afrique et deux fois, je suis fait chef de tribu. Je ne sais pas quoi, il y a un autre monde à Maurice qui n'a pas dit autant. Deux fois, je suis fait chef de tribu à Abidjan, Côte d'Ivoire, et chef de tribu au Ghana, à Tamale. Donc, ça déplace là. Donc, nous sommes très fiers que nous faisons le nécessaire pour rapprocher politiquement. Puis, il n'y a personne d'autre que le PMSD qui fait le maximum pour rapprocher politiquement Maurice du continent africain, comme on le connaît, c'est ça l'avenir. On passe maintenant au sujet de la situation politique à l'île Maurice. Bon, situation politique là, les mouvementés. Je ne vais pas référer à un petit bout de mon camarade qui m'a manqué. Il est un peu loin, il est plus loin qu'à Stockholm en tout cas. Et au niveau de la situation politique, nous faisons une manifestation qui est une grande première, vendredi dernier. 4 à 5 000 personnes. Difficile pour compter quand on marche dans la rue. 4 à 5 000 personnes, sa manifestation. À la veille manifestation, un grand compagnon transfo cancel 30 bis qui nous tiennent. Nous gagnons un peu bis. Mais la majeure partie du monde, et c'est dans beaucoup de PMSD, la majeure partie du monde, c'est du monde qui ne vient pas aux autres mêmes. Pendant autres lieux de travail, je viens manifester. Pour dire quoi? Pourquoi je viens apprécier qui nous fait donner autres la parole. Parce que Mauricien a tendance à dire une élection là, ben attend l'autre élection dans 5 ans, les là nous pouvons donner correction qui besoin, les là nous pouvons donner coup de bazar qui besoin. Mais ça coup là, à travers sa manifestation qui est pacifique, un incident pas fini non. D'ailleurs, le commissaire police téléphone moi après, il nous félicite nous. Un incident pas fini non. Mais Mauricien, 4 à 5 000 Mauriciens font montrer capable de dire non à ce qui peut passer et enregistrer sur l'opinion sans aucun appel. Et ça, c'est très important. Et moi, je veux dire aussi que sa manifestation a pour but de demander la démission de Jack Napier en tant que membre de l'Assemblée nationale parce qu'il nous calculait qu'il compte la Constitution. Et là, nous pouvons venir dans sa caisse en cours là. Nous calculons qu'il est mal démissionné comme Premier ministre et qu'effectivement aujourd'hui, nous avons deux Premiers ministres, non seulement légalement, mais aussi de fait, parce qu'un, bien sûr, les baby-sitter, il n'est pas qu'il est resté. Maintenant, il y a un flou, et nous acceptons-le, concernant le rôle du ministre Mentor. Et non, ça flou là, concernant le rôle du ministre Mentor. Parce que,
première fois, il y a ça, Maurice. Ils ont accepté que la population disait qu'il y a un Canada, qui exactement il peut faire, il ne va pas faire. Surtout, bien sûr, en tout cas, il pas paraître dans une attribution bien claire. Et ce qu'ils nous demandaient donc, vous connaissez chaque ministre quand il prend son... Peut-être pas connaît. Chaque ministre quand il prend son poste, il reçoit une lettre du président de la République. Et cette lettre-là, il met exactement là. Qui est responsable? Ce n'est pas un, l'autre, ce n'est pas le ministère Rodrigue, ce n'est pas SM, mais il ne faut pas connaître qui est dans l'eau là. Et ce qu'ils nous demandaient, au nom de la transparence, nous demandaient que le gouvernement publie ben, l'attribution que le président de la République finit de donner au ministre Babysitter. Ça, il est important pour nous connaître exactement qui ce rôle peut être dans sa conseil des ministres. Là. Vous avez salué les efforts résidence et alternatifs, ils mettent caisse à cour. Et mon besoin de dire que ce matin même, nous avons une réunion avec nos avocats, nous sommes un peu occupés avec la manifestation, tout ça là, et que PMSD lui-même, pour mettre son propre caisse, parce que nous avons un point de vue un petit peu différent de résidence alternative, donc nous pensons que tous les points de vue besoin interprétés par la Cour, et nous pouvons mettre nos caisses, pour espérer la semaine prochaine, que nous finir par avoir nos caisses, bonne plainte là, pour complémenter et. Vous confirmez donc que PMSD prend de l'avant avec sa caisse. Maintenant, Jagnat Pai promet de nettoyer le pays. Il dit, dans sa dernière conférence de presse, c'est pas qu'il fait là, qu'il finit de nettoyer le pays à cause de la Kawavale. Roshi Baden, il finit de dire, lui, au contraire, loin de nettoyer le pays, ce qui est arrivé, c'est qu'une mafia finit d'installer au cœur du gouvernement mauricien. Which is which. Mais maintenant, nous, non. Transparency International est publié tous les ans sur Corruption Index. Et quand on regarde Corruption Index, le N banané, sorti 2015-2016, l'île Maurice fin dégringole 5 places. Il sort 45e, il vient 50e. Non seulement nous parlons des premiers pays africains, ça c'est Botswana qui est 35, nous arrivons 50. Et donc ça vient confirmer qu'il est loin d'avoir gagné la lutte contre la corruption, au contraire. Il vient confirmer que c'était une mafia qui vient d'installer au sein donc, du gouvernement. On dirait qu'il sape dans le caraï, il tombe dans le fait avec ce nouveau gouvernement-là. Maintenant, nous voulons dire aussi que Jagmeet Pai fin quitte trois bombes à retardement. Trois bombes à retardement, il quitte là, on dirait cadeau pour ce garçon inhalé. Première bombe, Betamax, bien sûr, qui nous. L'arbitrage, je prie que l'arbitrage n'a pas contre pays. Mais si l'arbitrage a contre pays, c'est un maximum de 150 millions de dollars qui nous plus impayés. C'est-à-dire 5 milliards de roupies. Au taux d'aujourd'hui, 5 milliards de roupies. 5 milliards. Si ça a le contre nous, si ça zise, si ça arbitre sud-africain là, trouve contre nous, 5 milliards de roupies maximum nous plus impayés. Calcul 5 coups. BAI, maintenant, me trouvé, première étape, Rawat Ingaï Soukesli. Première étape, Ingaï. Et BAI, il peut le plus gourmand, lui. Lui, il peut 1 milliard de dollars. C'est-à-dire 35 milliards de roupies. 35 milliards de roupies. Là, je finis à carré 40 milliards, là. Hein? Ou vina zouto, là, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Neotown aussi. Fin met caisse. Pareil, l'orbite. D'autres, pareil, Souban, accord bilatéral, Maurice Lenn. Et l'île Péro, 200 millions de dollars. Encore une fois, ça fait 7 milliards de roupies. Donc en tout, bombe à retardement, juste ça, trois caisses-là, c'est 47 milliards de roupies. Il paraît que nous sommes un peu comme un fou. Mais c'est la vérité. C'est la triste vérité qui m'a fait dire. Pas vous dire tout caisse pour payer, je ne m'espérais pas, parce que c'est pas un désastre. Parce que c'est la moitié du budget national de Maurice, ça. Ça va un chiffre là, comme on là. Par an. Juste pour montrer, quand on prend une décision brite, ou risquée, qui ça pour payer ça? MSM pour payer ça? Contribuable pour payer ça? Est-ce que MSM est insuffisant en casse, on ne connaît pas? Pour payer ça. Mais en tout cas, paraît qu'il peut quitter là, peut mettre le contribuable et le pays sur une finance en danger. Ça qui nous vient réaliser, le minimum c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de n'importe qui côté sur une caisse là. Ce n'est pas juste mauricien ça. C'est tout ça, c'est un étranger. Donc ça, c'est trois affaires, un fait.
Donc, je viens là. Je contiens la situation politique, bien sûr, nous félicitons Roshi Badin pour ce courage qu'il gouvernement. Comme moi, il est en gros loto, il passe dans deux motocyclettes, dans une seule motocyclette, c'est une motocyclette. Mais quand même, il quitte tout ça là pour venir rejoindre nous dans l'opposition. Je félicite lui pour ça. Il finit avec moi à ce congrès ce soir, je parle, ce congrès de lancement. Je parle en tant que leader de l'opposition. Parce qu'il m'a dit à moi qui, pour moi, le plus grand danger qu'il y a un pays démocratique capable qu'a fait face, c'est quand l'opposition les désunit. Et nous trouvons un petit peu un petit coup de couteau gagné dans les deux de cela. Trouver un peu, pas finalement pas pour répondre, pas pour l'instant. Mais nous trouvons ça un peu. Mais c'est le plus grand danger. Donc pour ça, donc, nous pouvons dire, donc au nom de l'unité de l'opposition, nous parler, et nous besoin dire aussi qu'il nous prend une décision pour nous faire une place pour Roshi Badin, au front de bench de l'opposition. Nous, on parle plus loin que ça. On peut dire comme ça, qui, au nom de l'unité d'opposition, nous disposait, nous, d'en permettre de faire sacrifice. Et si ben les autres, leaders dans le Parlement, envie, participent dans une front bench unie, nous disposait pour faire libre, pour faire place pour M. Béranger, et pour faire place pour Shakil Mohamed. Nous disposait faire libre. Et donc, on lance toujours cette invitation-là. On ne croise, on pas accepter, mais pour montrer une bonne foi, nous pouvons faire libre. Le papier envie risque tout droit. En nous. Maintenant, au niveau du jeu de Jonga, Bandia, c'est un political drag queen. Je ne sais pas si c'est ça, un bon terme. Mais Bandia peut trouver ça, mais là, il justifie un political drag queen depuis deux ans, il fait quatre partis politiques. MMM, après, il trouve MP, il crée MP, MP pas assez bon, il fait indépendant. Indépendant pas assez bon, il retourne à la case belle-mère, c'est-à-dire MSN. Mais il ne faudrait pas n'oublier qui, quand il quitte MSN, il est son président. Ça a bien, bien mal passé, ce divorce qu'ils ont fait là. Et pourtant, nous rappelle quand même ce qui Pravin Jagnat en 2008, c'était quand il quitte MSN, qui dit à le political drag queen. Il dit comme ça, qu'il y a une magouillère, qu'il y a une vendeur. Ça, pas moi, Bidja, hein? Attention, quoi, moi, ça, moi, je m'en garde dire. Traite. Un communaliste, très grave. Un sectaire, à la cinq accusations qui Pravin Jagnat fait l'eau de Jolisonga, ça, à l'époque, là, 2008. Mais là, nous disons qu'on est bien sensé, là. Pour être capable de revenir comme ça. En tant qu'invité d'honneur, ça coule là, dans sa partie l'inquité, sous sa bonne condition là. Pour nous, et l'India aussi, qu'il est pour combattre Dieu les Ongars jusqu'au bout. Alors là, combattre Dieu les Ongars jusqu'au bout, Dieu les Ongars il est rentré. Pas un ministère, mais pourquoi il n'y a pas tant malheur d'ailleurs pour dire qu'il n'y a pas gagné. Hein? Alors là. Donc, ça c'est Dieu les Ongars, sérieux transfuge. Sérieux transfuge. Et l'IPE vient faire commentaire au moment de l'opposition. On dit à l'IPE, qu'est-ce que ce record en deux ans, combien de fois Jolie Zonga prend la parole dans le Parlement? Quatre fois. J'avais tiré 16 quand même. Quatre fois, il prend en deux ans. C'est une fois tous les six points de causer. Ça même sur l'opposition. Donc ça, c'est M. Jolie Zonga. Et mon décret à lui dans ce... en me servant ben, mot de son ancien leader et présent leader. On va finir. Donc sinon, diffamation, il vient de l'autre côté, pas moi. Allez là. Donc, gouvernement là peut ressembler de plus en plus à un regroupement de rodé à bout. Chacun gagne un petit bout, il négocie un petit bout. Et il n'a pas négocié casse, il n'a pas négocié position, il n'a pas négocié job. Mais, on s'est content de passer un petit coup à... actualité internationale, surtout l'agissement de M. Trump, président. Et là, nous besoin, je me très diplomatiquement en disant que M. Trump a fait un appel. Je peux écrire une lettre à travers l'ambassade américaine. Un appel au président Trump, qui, depuis quelques jours qu'on nous connaît, il met une interdiction complète pour citoyens de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 pays. Sept pays musulmans, ils mettent une interdiction complète
pour que vous rentrez en Amérique. Qu'il soit un bébé de 3 mois, qu'il soit une grand-mère de 80 ans, tout passe pareil. Et c'est ça, sa mesure-là, est discriminatoire. Et pour cette raison, vous pouvez créer une lettre, vous pouvez inviter le gouvernement mauricien aussi à faire de même pour appeler à ce bon sens. Il ne faut pas stigmatiser comme ça toute une population, toute une région. Et donc, nous pouvons faire lire, nous pouvons faire en tant que leader de l'opposition. Maintenant, on a deux petites choses encore. Premièrement, raffinerie. Oh, c'est ça pour mon bon camarade qui pas connaît. Raffinerie, c'est raffinerie Roland Morel, ça. Et puis, quand raffinerie Roland Morel contre Xavier Duval? Jamais. Raffinerie Roland Morel, tu passes dans mon comité, moi. Tu es résété à l'unanimité dans ce comité-là. Résété. Inclus ministre Ganga, qui est ministre de tutelle. Quand ça a une vigne dans connaissance sans Nehru Jagnat, ça a une trappe, le malheureux ministre Ganga, il a insulté Liban collègue là, je témoin de ça. Et une repris, remettre sur le tapis par nul autre que Jagnat Pé, lui-même Pé, son doute. Sa raffinerie-là. Maintenant, je trouve que Jagnat Pé, un step aside, le babysit, là, je ne cancel lui, parce qu'un fait, qui dans sa comité qui m'a présidé là, tout ban ministre, et là-dedans, il y a un Pravin Jagnat, Ivan Kondam, tout ce ban ministre-là, c'est une reset entièrement le projet de Roland Morel, qui fait un bon réseau, c'est qu'il y a un meilleur projet indien dans sa même terrain-là. Donc, ça invite mon camarade, il y a des journalistes qui écrivent, ils ont fait un petit renseignement, ils ont aussi public qui ça, mais ça, mon gars, tu as besoin de faire un petit renseignement qui était exactement rien à voir avec Xavier Duval, sa projet-là, capable de confirmer moi aussi avec M. Morel lui-même. Et donc, il y a deux affaires restées. Juan Rodriguez peut voter là dans quelques jours. Droit de vote pour Juan Rodriguez, c'est PMSD qui nous donnait ça. Pendant l'autre parti qui nous donne droit de vote Juan Rodriguez, sauf PMSD. Tu as là, ce Gaëtan Duval, tu as la Cour suprême. Pas de ce Gaëtan, tu as Gaëtan Duval à l'époque là. Pour gagner droit de vote pour Juan Rodriguez. Et on trouvait que l'OPR là peut venir dire qu'il besoin de tirer ce nom, l'aéroport. Première affaire, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'Assemblée régionale qui donne nom à l'aéroport de Rodrigue. C'est le gouvernement mauricien qui donne nom à l'aéroport de Rodrigue. C'est le département, c'est l'aviation civile qui fait lié. Moi, je fais lié à l'époque. Donc, il peut cause dans vide, premièrement. Quand ils disaient, il peut tirer un nom, Gaëtan Duval, là-bas. Et second, on nous dit, pas seulement droit de vote. Premier ministère de Rodrigue, c'était un PMSD. Ban premier lacaz qu'il construit, c'était PMSD. Électrification, ban première électrification, c'était PMSD. Développement général dans Robin, démarré par PMSD. D'accord, après ça a changé. Et c'est pour tout ça, surtout pour le droit de voter. Une élection peut venir, c'est bien dernier du monde pour critiquer. C'est grâce au PMSD que Rodrigue fin gagne droit de vote. Dernière affaire, on vient de dire qu'on recevait une invitation par écrit du Premier ministre, Pravin Jagnat, par le Dlala, Premier ministre, pour une réunion ce lundi. Tu mets aujourd'hui, par une capable à cause de conférence de presse, lundi, pour en tant que leader de l'opposition, lié en tant que Premier ministre, on a accepté l'invitation. Donc, prenons sa réunion à lundi et on peut aller institution pour institution. Il n'est pas empêché de faire notre travail, il n'est pas empêché de continuer nos caisses en cours, au contraire. Nos caisses en cours peuvent déposer, mais il est important aussi qu'il banne l'institution continue de travailler dans un pays qui respecte mon institution. Et moi, en tant que leader de l'opposition, on a tout le respect pour mon institution et mon poil, ça rendez-vous là. OK? Est-ce qu'il y a d'autres? Pas de question. Justement, par rapport à sa réunion de lundi, est-ce qu'il y a un bon sujet qu'il peut évoquer avec le président? Moi, personnellement, non. Je pensais qu'il y a un certain nombre de nominations qu'il y a pour faire.
et dans certains on pensait les plus au niveau un moyen d'établir une façon de travailler qui respectait certaines son pouvoir et son rôle dans un système démocratique. On toujours dire que le rôle de l'opposition, pareil qu'on peut faire là, on hésiter pour critiquer, c'est très important pour la bonne marche du pays. Et nous pouvons continuer dans sa ligne. Son fils de l'Union qui est sur la passage pour mais donc, qu'est-ce différent de l'Union. Non, on connaît, mais mon préféré qui finalisait, comme ça, quand finaliser, bien tout le monde passe au lac. Pas de même. Mais je dis, Non, mais parce que dans notre caisse récente et alternative, nous trouvons qu'il nous est capable de mettre une caisse aussi qui vous complémente sa caisse. C'est parti bizarre, mais pas tout le monde. Sans mon passe commentaire aux caisses résistance alternative. Est-ce que la rencontre de lundi va de sens à phrase qui est comme une jardin qui dit le monde? Il y a envie du soutien de tout le monde, donc il y aura le soutien de l'opposition. Il y a un soutien de l'opposition, il peut être. Mais non. Mais une opposition loyale, ça c'est sûr. Hein. Ça, on garde contre moi, vous avez une opposition qui ne sent frayeur ni faveur. Justement, quand on commence une conférence de presse, on pose le deal Papa Pitti. Avant une colonne de une semaine de cela, on dirait que le véritable deal Papa Pitti, c'est entre pourquoi pas et vous, il passe dans le passé. Tu as rétabli un peu l'effet. Comment ça se passe? Merci beaucoup, Jean. Le passé, c'est vrai, on est sorti. Quand papa a-t-il démissionné en 91, il s'est démissionné, arrêté en sorte, parce que papa a-t-il insulté lui. Et Ivan Colendavelou, si d'en parle, moi ça se voit, insulté lui, ben bien sûr, moi je vais répéter. Baron, rappelle Baron, insulté lui, il est sorti par le mensonge, je vais dégoûter. Il est là, les médecins. Et comme on prend PMSD, c'est Maurice Allais qui est le leader. Pardon. Pas bien. Ok. C'est tout. Merci beaucoup.